on va voir comment je vois les fans de Justin Bieber. Vous avez besoin d'un capot en case 4, ou vous pouvez mettre en case 1 ou pas du tout, enfin comme vous voulez. Mais moi j'aime bien un capot 4. Il n'y a que 3 accords pendant toute la chanson. Donc en plus, c'est des accords de base, donc c'est assez simple. C'est La mineur, Ré mineur, Sol. Et ça, c'est les seuls 3 accords que vous aurez à jouer pendant la chanson. Donc pour les couplets, c'est La mineur, Ré mineur, Sol, Ré mineur. Donc ça, c'est pour les couplets. Pour le pré-refrain, c'est la même chose. Et pour le refrain, vous faites La mineur, Ré mineur et Sol 2 fois. Voilà. Donc pour la rythmique, c'est du picking, donc vous n'avez pas besoin de médiator, vous utilisez juste vos doigts. Ou si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites avec un médiator, mais ça va être assez dur. Donc pour le La mineur, c'est quatrième corde. Pardon, cinquième corde, quatrième corde et les 3 dernières cordes. Cinquième, quatrième et les 3 dernières. Pour le Ré mineur, c'est pareil. Cinquième, quatrième, les 3 dernières. Et pour le Sol, vous pouvez faire sixième, cinquième et les 3 dernières. Ce qui donne ceci. Un Ré mineur, comme je vous ai dit. Et donc vous recommencez ça pendant tout le couplet. Pour le pré-refrain, c'est pareil, c'est les mêmes accords, la même rythmique. Le seul moment où la rythmique change, c'est pendant le refrain. Donc c'est le rythme feu de camp. Pour le La mineur, c'est bas, bas. Pour le Ré mineur, c'est haut, haut, bas, haut. Et pour le Sol, c'est bas, bas. Haut, haut, bas, haut. Et ça donne ça. Donc,